Joyeux Noël! Et vive le petit Jésus! Vive le petit Rachid! La naissance du petit Rachid! Ça va ou quoi? Est-ce que vous passez un bon Noël pour l'instant, vous qui êtes seul chez vous? Aucun amour, aucune appréciation, votre famille vous a oublié, vous avez faim, vous avez froid. Momo est en train de se pendre actuellement. Et c'est la merde pour tout le monde. Comment ça va? Bismillah. Ok, je vais allumer une cloche, je suis désolé, parce que du coup vous avez eu plein de streams juste avant. C'est mon stream maintenant, mais il faut quand même que je fasse une intro comme d'habitude, parce que sinon ça va tout chambouler, comme disaient les bidochants. Mais comment ça se fait que je vois plus qui c'est qui lâche des caisses? Je comprends pas. Pourquoi on voit plus qui c'est qui lâche des caisses? Attends, est-ce que c'est moi qui ai changé un truc? Attends, bouge pas. Est-ce que j'avais pas un truc moi pour Noël? Attends. Il me semblait que j'avais des chansons de Noël moi, non? Bah écoute, tant pis, ce sera pas une chanson de Noël, mais c'est pas grave. C'est niqué depuis tout à l'heure. Oh, merci Vitomite, 400 bits. Et on 800 couilles, un peu de calcul, plus ou moins 1%. Alors attends, bouge pas, parce que je crois qu'il faut changer un truc. Ça se trouve, j'ai désactivé les alertes de son sans faire exprès tout à l'heure. Ouais, donc c'est Nico qui a lâché une caisse. Je suis désolé, Nico, hein, j'ai pas vu que t'avais lâché une caisse. Est-ce que j'ai changé quelque chose, moi? Non, pourtant, non, ça marche toujours. Bon, bah, je sais pas. Je suis désolé, poteau. On voit pas quand tu lâches des caisses. C'est très grave. Donc ouais, la meilleure tenue de Noël sur le point de pioncer. Pioncer, 18h34, petit dab, bonne soirée. Donc ouais, c'est le Noël des exclus, j'espère que ça vous a plu jusqu'à présent. On a eu le droit à Yadar qui nage à travers, comment on appelle ça, le miasme d'internet, des jeux flash d'internet. On a eu Spider qui... c'était une journée assez normale en fait sur Spider, hein, pour Spider qui a juste conduit un camion. On a eu Momo qui s'est vachement bien amusé sur un jeu rétro. Et maintenant moi, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un mode de Doom, de Doom 2 et de Doom Ultimate qui s'appelle Christmas, enfin Xmas. J'ai jamais compris, d'ailleurs, pourquoi ils appellent ça Xmas? J'ai jamais compris le rapport entre X et le Christ. Est-ce que c'est pour la croix? Non, c'est quand même pas, c'est quand même, attends, ils font quand même pas des vannes genre, Xmas parce que Christ c'est la croix. Non, j'espère que c'est, enfin, c'est un X quoi, non? Non, j'espère que c'est pas ça. X-Gang Give Thomas. La prochaine fois, on s'y prend à l'avance pour choisir nos jeux. Mon petit Alexis. Attention, mon petit Alexis. Attention. On va commencer à devoir faire tomber les tartes. Attention, Alexis. Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je vous ai dit? Bref, je vais vous faire un mode de Doom. Salut, Alex. Live de Noël, ça fait zizir. Eh ben écoute, merci à toute l'équipe, mais merci à toi, mec. Je vais du coup lancer le mode. J'espère que ça va vous plaire. Il y aura un petit twist à Saint-Tropez, par contre. Tu me le captures pas? Si, tu me le captures. Voilà. C'est bien ce que je vous disais. Donc voilà, ça marque Doom 2, mais on va pour l'instant jouer à Doom original. Le X, c'est la première lettre de Christ en grec. D'accord, ok, bah tu vois, Doom a bien réagi à ta nouvelle, alors c'est parti, on va faire Knee Deep in the Dead directement, et en... Donc voilà, il y a Silent Night, Bambi Mode, Satan's Little Helper, Santa Claus et Hail Saint. Ok, bon, écoute, on va partir en normal, je crois que c'est juste ultra-violent ça. Donc ils ont changé les trois trucs, par exemple, la vie, c'est les petites cannes, des petites cannes de cannes à sucre, c'est les petites cannes à sucre, comme ça, et les... Non, je me suis mis en normal, même, c'est pas grave. Bon, écoute, on va juste montrer ça comme ça pour l'instant, parce qu'en fait, je vais vous expliquer un truc. J'ai lancé ce mode, et je me suis dit, hey, ça a l'air super mignon, regarde, sur les petits casques, il y a des petites machins, regarde, l'arme principale, c'est une petite... Oh, comment c'est trop mignon. Oh, regarde, quand on tire là, c'est des petits... Oh, regarde, adorable. Et ensuite, je suis arrivé ici, je me suis dit, oh, c'est le Père Noël. Oh, c'est trop bien, j'adore buter les icônes du marxisme et de l'impérialisme américain. Oh, c'est super, regarde. Regarde, il n'y a personne, du coup, j'ai pas envie de violence. Ah, c'est génial. Et je me suis dit, c'est Noël, d'accord? Personne n'aime Noël, c'est évident. Est-ce qu'on n'aurait pas le moyen de rendre ça beaucoup plus brutal? Beaucoup plus brutal. Et en fait, le truc des modes de Doom, en général, les what de Doom, c'est que c'est...
extrêmement adaptable. C'est-à-dire que tu peux foutre deux WAD en même temps, deux modes en même temps, qui vont de temps en temps rentrer en conflit, de temps en temps pas rentrer en conflit. Ouh, merci Conrad pour le resub. Merci beaucoup, mec. Dis-moi, dis donc. Dis-moi. Tu vois, regarde le petit ruban sur le shotgun. Et donc, des fois, ça va rentrer en conflit, des fois, ça va pas rentrer en conflit. Et je me suis dit, si on fout du brutal Doom là-dessus, qu'est-ce que ça va donner? Et du coup, j'ai essayé un petit peu. Y a pas tout qui marche, je crois. Mais maintenant qu'on a vu un petit peu de qu'est-ce que ça donnait en mode, j'ai envie de dire, entre guillemets, normal, tu vois. Donc ça, c'est le WAD original. On va aller voir tout de suite ce que ça donne avec le mode Brutal Doom. Attends, je continue à buter un petit peu de Papa Noël, là, qui m'ont jamais filé ma putain de Super NES. J'étais gamin, je voulais une Super NES. Je veux une Super NES. Bah non, tu dis, ça va te rendre con à l'école. Bah, de toute façon, je m'en fous, je suis devenu con à l'école à cause de la PS1. T'es bien niqué. Bref, bougez pas, tac, je vais du coup lancer ce mode là avec Brutal Doom, histoire qu'on fasse une petite comparaison tranquillos. Oh, merci Biob, 10 balles, oh c'est les pitiés Jésus. Ok, Biob qui apparemment s'est reconverti, merci beaucoup Biob. Donc on va foutre les watts de Doom Xmas, Brutal Doom version 21, et je crois que j'ai aussi un truc qui s'appelle Metal Doom, non? C'est où pour la musique? Attends, bouge pas, où est-ce que je l'ai mis cette connerie? Viet Doom, non c'est pas ça, on verra ça plus tard. Putain, c'est le bordel dans mon fichier Doom, mec. Hurt, c'est pas ça non plus. Où est-ce qu'il est mon truc? Où est-ce qu'il est mon... Attends, bougez pas, je suis là, hein. Je suis là, ah, ça s'appelle juste Doom Metal. Haha, Russian, bien entendu. Voilà, Doom Metal et Doom Christmas. Et normalement, ça devrait se sentir assez vite, les différences au niveau rien que de la bande-son. Oh, god damn. Attends. Est-ce que ça capture directement ou est-ce que tu vas faire ta pute? Non, tu vas faire ta pute? Eh ben écoute, ah ben non. J'ai rien dit, Doom, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Un. Alors attends. Oui, bisous, Whisky, bon réveillon. Bon réveillon, joyeux Noël, Whisky. Je vais écraser cette cigarette. Parce que là, mon gars, si ça part pas en sourd PLS, c'est qu'on a un gros problème. Allez les gars, c'est Noël. Go fuck yourself. Get off, scum. Donc, est-ce que là quelque part, est-ce que c'est pas bien plus agréable? Attends, bouge pas, faut que je change un truc parce que j'ai pas les normalement je suis censé avoir les nouveaux mobs, c'est bizarre. Ah si, voilà. Un Pega. Attends. Il est bon. Oh là là, le père de... Joyeux Noël, bande de salopes. Putain, ensemble, mais vous êtes malades ou quoi, les mecs? Oh, c'est... Oh la vache. Oh, les ouf. Putain. C'est qui le père Noël? Enfin, du coup, enfin, c'est... Non, c'est pas mes parents, c'est pas vrai. Qui c'est qui vient de faire ça? Je veux un nom, qu'on me donne un nom. Attends, Doom, calme-toi. Qu'on me donne un nom, là. Je veux un nom. Je m'en fous, je continue pas tant que j'ai pas un nom, je m'en bats les couilles. Moi je reste là. Nous, ça fond les moyens, t'es faut faire parler. Ah, c'est toi, Diane Netmiaou? C'est toi, voilà, c'est pas moi, je suis pauvre, c'est toi, Netmiaou. Eh bah écoute, merci beaucoup, mec. Si c'est toi, merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup, les gars. Merci. Mille fois. On va pouvoir acheter des nouveaux jeux à torturer en live pour Momo. Voilà, pour toi, je vais procéder à un massacre de Noël. Regarde. Est-ce qu'il faudrait pas que je baisse un petit peu le son, par contre? Regarde. Voilà. À baisser un petit peu parce que... Voilà, ça a tendance un peu à gueuler. C'est bon, on m'entend tranquille ou quoi? Ok. It's a Christmas miracle. Attendez, bougez pas, je vais le relancer.
Je vais le relancer une nouvelle fois sans le mode de musique, parce que j'ai l'impression que ça, c'est en train de me niquer en fait certains assets. Normalement, il y a des sons spéciaux en fait quand on les éclate. C'est pas grave, on n'aura pas le gros metal, grosse couillasse, tu vois, clope au bec, qu'est-ce qu'il y a. Mais j'ai envie de qu'on ait quand même le reste. Attends, fais voir les modes de difficulté. Il y a donc Earth Me Plenty, c'est le mode normal, ultra violence, nightmare, black metal, too young to die. Ah oui, et ça c'est les modes réalisme. Ouais, mais ça on s'en fout. Donc ouais, Brutal Doom, c'est la version 21 là, qui est sortie il y a pas très très longtemps. C'est la version finale. Et voilà. Donc déjà la chanson, on sent que c'est autre chose quoi. Mec, salut Arterus, ça va Yao quoi? Non, on n'a pas de famille, non, bien sûr qu'on n'a pas de famille. Et donc ouais, Brutal Doom rajoute pas mal de choses en fait. Il a écrit un script le gars pour rajouter des genres de petits éléments décoratifs qu'on peut voir là d'ailleurs, les antennes, on peut voir des vitres, etc. Et ça enrichit vachement en fait tous les niveaux. Et je trouve ça vraiment cool. Tiens, ça là les cadeaux. Mais ils ont pas leur petit chapeau de Noël, normalement ils ont leur petit chapeau de Noël, je comprends pas. Comment ça se fait qu'ils ont pas leur petit chapeau de Noël? Oh là là, oh là là. Oh c'est bien ça. Oh c'est agréable. Oh putain ça détend hein. Quelque part ça détend, moi je les comprends après les gars qui font des shootings dans des écoles primaires. Joyeux Noël. It's a Christmas miracle. Et je sais pas pourquoi j'ai pas mes petits chapeaux de Noël. Normalement tout le monde a un petit chapeau de Noël. Mais comment ça se fait? Est-ce que je peux voir ça tout de suite là? Tiens, on va foutre plus de sang encore. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vanilla Monsters, bah normalement c'est bon. Je comprends pas. Enabled, ouais. Je suis là, hein, vous inquiétez pas. New Enemies, Enabled, ouais, pourquoi pas, on va tester. Je vais juste recommencer une nouvelle fois, vous inquiétez pas, au bout d'un moment, on finira par y jouer, hein, ce jeu à la con. Hein. Oh, merci Nico, mon beau Capio pour 1000 bits. Merci beaucoup, mec, ça fait super plaisir. Allez, go, est-ce que j'ai mes petits, bonnets, là? Mais non! Attends, je les avais tout à l'heure, les bonnets ou quoi? Attends, fais voir. Je veux mes bonnets, je suis désolé, je veux ma violence et mes bonnets. Ouais, Ultimate Doom pourtant. Fais voir. je vous promets qu'un jour on finira par y jouer. Hein. Mais écoute, ça aussi, je pense qu'on va tous avoir nos problèmes. Si, attends, les petits Père Noël, ils sont ici. Ouais, les imps, ils ont leur petit bonnet et tout. Fais voir, ouais. Aïe, ça pique. Fais voir, rajoute encore plus de sang. T'en veux encore plus? Eh bah écoute, attends. Ouais, bah ouais, normalement c'est bon. Ça me fait pas rire, moi, ok? Le Père Noël, c'est une salope. Pardon. Jésus mort en croix, je sais pas ce que je dis. Je sais vraiment pas ce que je dis. Non, c'est l'ordre avec lequel je sélectionne mes trucs, alors, mes modes. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est l'ordre qui compte. Fais voir, si je fais dans cet ordre-là. C'est qui participe? Eh ben, ce soir, on va faire du après ce stream-là, on va faire du Generation Zero avec Momo, Yadar, moi et Spider. Donc, j'espère que ça vous a... Vous voulez que je me foute encore? Vas-y, je fous le sang en maximum. Ça va piquer, par contre. Hein. J'espère que vous êtes au courant. New Enemies Disabled. Vanilla Monsters. Yes. Voilà. Et normalement, si je fais Rifle Start, on y va, tranquillos. En ultra-violence. Voilà. Voilà. Ah, voilà! C'est bon! On est bon, les gars. Je peux continuer. Tiens. Attends. J'espère que vous aimez le sang, putain, parce que là, poteau. Get off, scum. Oh là là là. Attends, on entend pas. Non. Il y a tellement de coups de feu, on entend pas, mec. Non, mais y a un mec qui fait Merry Christmas, ho ho ho. Attends. Non, c'est pas là, c'est peut-être sur les Pères Noël. Fais voir. Get off, scum. Donc voilà, Brutal Doom rajoute pas mal de trucs, pas mal d'animations, pas mal de... comment on dit, d'interactions. Et du coup, ça rajoute aussi le vrai combat à main nue.
Tu peux faire des droite, droite, gauche, tu peux faire des gauche, gauche, droite, uppercut, machin. Tu peux faire des coups de pied, tu peux faire des coups de pied sautés. Tu peux faire des double fuck comme ça. Est-ce que c'est pas super cool? Et donc ça, ça vient avec la version 21. Donc sur laquelle a bossé le sergent Marc, qui est un Brésilien qui fait du bodybuilding et qui mode Doom à ses heures perdues. Et donc c'est la dernière version de Brutal Doom. Je pense pas qu'il va continuer à bosser dessus, vu que ça fait depuis environ 1998 qu'il y bosse et qu'il a envie de se reposer un peu. Mais à la place, il bosse sur un autre truc que je pense que je vais vous montrer après. T'en bouge pas, hop. Ouais, Camoulox, non, par contre, ouais, je suis d'accord. Ouais. Et c'est un peu un extrémiste aussi, je crois, mais bon, ça c'est pas grave. il a bossé sur un autre mode qui s'appelle. Un autre mode donc qui s'appelle Viet Doom et qui transporte Doom dans donc au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam. Et il a rajouté des trucs du genre tu peux t'occuper de ton squad, tu peux t'allonger, il faut te cacher, il faut te soigner, etc. Et du coup il a remplacé Doom, il l'a transformé en une espèce de simulateur. Et c'est vraiment sympa. Et du coup je vais vraiment montrer ça après. Je pense que je vais vous montrer 2-3 trucs parce que je pense pas faire toute mon heure et demie allouée par le dieu des streams sur Brutal Doom et sur Doom Xmas. Mais bon, écoute, on va quand même en faire un petit bout. Vous m'entendez bien ou quoi? J'ai l'impression que je gueule. Attends, je crois que je gueule, mais c'est pas grave. Vous m'entendez bien quand même? C'est pas trop fort le son du jeu? Attends, normalement il y en a un là. Si t'as pas assez de sang pour reprendre la totalité de la base, je comprends pas. Ah, c'est une blague sur Deck the Halls in Blood and Fuck Demons. Fa la 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 la. Oui, je t'entends, mon beau Russian. Ah putain, c'est un miracle de Noël. Il y a gros con qui m'a fait un petit mot gentil. Si ça c'est pas ça, c'est Noël. Franchement. Heureusement que Jésus il est mort, mec. Hein. Heureusement que Jésus il est mort. Impec. Ok, c'est cool. Dictaras là. Voilà, attention. Dans quelques secondes, on va aller récupérer une des. Putain, ça. Oh la vache. Donc déjà la Soul Sphere est remplacée par un petit renne, par un petit Rudolf, et je trouve ça adorable. Et aussi voilà une des Nani, c'est une nouvelle arme. Du coup ça, c'est une nouvelle arme. Non, non. Sergent Marc, qu'est-ce que tu ferais pas, mec? Du coup, j'ai quoi? Donc, j'ai la mitrailleuse et j'ai la mitrailleuse légère. Ok, d'accord. Oh là 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 là. Eh ben, allez, bah oui, mais normalement, en fait, j'étais censé tomber sur la Gatling, mais apparemment, avec ce mode-là, tu peux choisir si tu veux les nouvelles armes ou pas. Donc, ça, c'est les nouvelles armes qui ont été rajoutées grâce au Sergent Marc. Putain. Il a rajouté ça aussi, normalement. Ah, peut-être que là ça marche pas. Normalement il y a des effets dans la flotte, des effets de physique. Et c'est impressionnant de voir qu'il est pu rajouter sur un engine qui est quand même relativement dépassé, tu vois, des effets de physique de flotte et de trucs comme ça. Voilà. Tac. Vous voulez voir les secrets ou quoi? Est-ce que vous voulez que je vous montre les secrets? Tiens, regarde, bim, il y en a un. Tac, avec une petite hotte du Père Noël. Tac, prends ça en ta gueule. Alors, il était pas content parce que je lui ai piqué tous les jouets des enfants du tiers-monde. Ah, dommage, c'est toujours pas cette année. C'est toujours pas cette année que vous aurez des filtres pour pouvoir boire de l'eau fraîche. Tiens. Fuck yourself. Je mate la VOD sur Until Dawn, mais je passe quand même. Vous souhaitez un joyeux Noël, faut pas être un connard. Merde, c'est super sympa, Orage. Merci beaucoup d'être passé. Merci d'ailleurs à tous d'être venus ce soir pour notre petit Noël des exclus. J'espère que vous regrettez pas de ne pas avoir de famille. Écoute, vous avez peut-être pas de famille, mais au moins vous avez un bon stream. Et vous nous avez, nous. Est-ce que c'est pas mal? Si vous voulez, je peux faire l'oncle raciste. Si ça vous dérange pas, je peux faire l'oncle raciste. Moi, ça me dérange pas. Donc ici, voilà, il y a un autre petit secret. Tac. Ici, oh bah tiens, un petit secret. Qu'est-ce qui se passe? Ici, oh bah merde, un secret. Et on... Eh, j'en tombe des nus. Du lent. Voilà. J'ai pas de famille, en plus je bosse demain, mais heureusement qu'il y a l'MF là. Oh la pub, la pub, mec. Non, je voulais baisser un petit peu le son, s'il vous plaît, parce que ça fait quand même beaucoup. On va le remettre en 3, d'accord? On va remettre le son en 3.
Tac. Donc du coup, il me file pas la tronçonneuse. Sergent Marc vient d'oublier de me filer ma tronçonneuse. Par contre, j'aimerais. Oh, on peut descendre par là? Non, c'est bon, il y a un mur invisible. Non, non, mais si je me. Ah bah si, voilà. Voilà, impeccable. Et bah voilà, c'est tranquille ça. J'ai une famille, mais ici c'est encore mieux. Oh, c'est adorable. Oublie pas quand même d'aller faire un bisou aux membres de ta famille et leur montrer que tu tiens à eux, même si c'est pas vrai, d'accord? C'est ça qui est important, c'est le mensonge. Dans toutes les familles, c'est ça qui est important, c'est le mensonge, d'accord? On fait semblant que le couple va bien pour pas effrayer les gosses et pour pas avoir faire de Noël. On fait semblant que mamie va bien, alors que dans 5 ans, elle se souviendra pas du nom des gosses. Voilà, c'est ça Noël. D'ailleurs, il est pour quand le lundi oldie vendredi vénère de Hexen? Alors, le lundi oldie de Hexen, ça c'est horrible. Je sais, ouais. C'est horrible parce que c'est la réalité, mec. Le lundi oldie de Hexen, je pense le faire dans pas longtemps. Mais surtout, le prochain vendredi que je fais, donc ça va être le vendredi 3, je crois. Le 3 janvier. Je vais faire un truc que ça fait un moment qu'on l'attend, que moi je l'attends en tout cas. Et qui m'intéressait énormément, mais ensuite je me suis fait bannir par 3D Realms de tout leur réseau, en fait, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Discord. C'est Wrath Eon of Ruin, leur dernier jeu. Et du coup, Doom Eternal, c'est pas 3D Realms, espèce de connard. Tiens, il t'a merde. Donc je vais faire Wrath, ça va être donc le prochain vendredi, et ça va être super. J'ai insulté qui? J'ai insulté personne. Je les ai peut-être traités de communistes à un moment, mais franchement c'était sans penser à mal. mais voilà, c'est que voilà, c'était pendant la controverse là avec leur censure à la con. J'ai peut-être un tout petit peu vanné, mais franchement, s'ils le prennent comme ça, il y a même plus moyen de parler quoi. Tiens ta gueule. Du coup, je vais pas avoir la Gatling. Oh, il est mignon, regarde le Pinky. Oh, il est adorable. Enfin, où? Il manque un bout. Et Spectre. Du coup, ils perdent leur bonnet et leur couleur quand il manque des bouts, c'est mignon. Et coucou Ruru, bon réveillon, je vous laisse pour rejoindre ma famille. Ah, c'est super gentil, merci toi, mec. Merci de passer au moins, mec. Ah, les gens qui passent pour nous dire juste joyeux Noël alors qu'ils ont un repas de famille, ça me fait énormément de bien, ça me réchauffe. Tiens, Père Noël, ta gueule. Culé, bah. Ils ont juste le ban facile. Ouais, écoute. J'ai des munitions là-dedans, hein. J'ai plus beaucoup de munitions. Là, j'ai des munitions ou pas? Bah, écoute. Ok. Yes, je sais pas ce que j'ai dit, mais. Putain, bande de salopes. Chat, je les encule. Non, ça rend pas violent les jeux vidéo. Non. Ça rend pas violent. On aime juste le fun, ok? Moi, je fais de pas Noël, j'ai la chiasse. Ah. Bah, ça aussi, ça, mec, ça arrive. Et tu sais ce que tu fais, mec? Tu bois de l'eau de riz. Alors, c'est dégueulasse, hein. C'est un des trucs les plus vils que t'auras à boire de ta. Mais d'ailleurs, merci pour le prout, hein. Je suis désolé, j'ai pas vu. C'est Nico, du coup, qui a envoyé, je sais pas. Et merci beaucoup, mec. Merci beaucoup. Donc il faut faire de cuire du riz et il faut boire la flotte dans laquelle le riz a cuit. Alors ouais, non, je trouve ça dégueulasse, mais en gros ouais, si tu peux essayer de rajouter du sucre ou des trucs comme ça, ouais, ça va un peu mieux, mais sinon c'est vraiment vil. Non, c'est dégueu. Et ben en vrai ça marche super bien et ta chiasse elle disparaît, mon gars, aussi vite qu'elle est venue quoi. Ça te re-rentre dedans, poteau. Alors j'avais déjà montré pendant mon dernier stream de Brutal Doom, enfin de Doom en général, ici il y a un passage secret. Donc on est ici, on fait ah mais merde, mais comment on passe? Je comprends pas. Et en fait il faut passer par ici là, sur la dernière marche, enfin sur le plan que je suis en train de viser là, ça s'appelle un secteur, donc on peut le voir ici, il est découpé devant moi, c'est la quatrième petite barre, ça s'appelle un secteur, c'est pas vraiment une texture, c'est pas vraiment un point, c'est pas vraiment un trigger, ça s'appelle un secteur. Et en fait quand tu marches dessus, hop, tu reviens ici, oh c'est ouvert! Oh Madre de Dios, c'est un miracle de Noël. C'est le Mimi, c'est le Rara, c'est le miracle. Tac, on va prendre un petit Rudolf, hop. Voilà. Impeccable. Ensuite, ça ouvre celui-là, parce qu'on a marché sur un autre secteur, en venant ici, et voilà.
Ce miracle de Noël vous a été présenté par LMF. Oh, c'est quoi, ça lance grenade? Ça va, Marc? Attends, oui, il y avait un truc à vous montrer aussi. Bouge pas, regarde, 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 non, c'est pas là. Option du gameplay? Non, c'est dans les vidéos alors. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Faut que vous voyez un truc. Faut que vous voyez un truc. Brutal Doom? Non. La TH, je crois. Classique. Merde, c'est où? Merde. ATH alternatif. C'est compliqué, c'est compliqué, mec. Activer l'ATH alternatif. Non, bah c'est pas ça. Non, je sais plus. Putain, mec, attends, il faudrait que je revoie ça après. Je vais essayer de relancer juste Brutal Doom après. Pour vous montrer l'ATH alternatif où en fait tu peux avoir. Regarde, ici il y a un secret. Tac, ici. Oh putain, il y a un secret. Oh, tu passes par là. Bim, il y a un autre secret. Par contre, monte. Non, à l'aide. Voilà. Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, 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 je recommence pas. C'est une deal. C'est bon. Ici, il y a un autre secret, tac, et on arrive où? On arrive ici, c'est le Mimi, c'est le Rara, c'est le Miracle. Et en plus, on a une putain de Gatling. Oh, c'est bien, là. Oh, c'est bien, oh, j'adore. Oh là là. Oh, j'ai une Mimi. Oh, la vache. Et donc, le tir secondaire de la Gatling, c'est pour... Voilà, c'est pour enclencher le canon. Oh là là. C'est pas beau ça? Eh les mecs, est-ce que c'est pas beau, bordel de merde? Tiens, mange. Ha. Tiens. Tiens, attends, une autre petite ici, une autre petite ici, une petite M67. T'as... Oh la vache. Attends, tu veux revoir un truc? Tu veux voir une... Est-ce que tu veux voir une scène colorisée des alliés qui storment la plage de Omaha Beach? Go fuck yourself. Hey, c'est un petit cours d'histoire de temps en temps quand même, histoire qu'on soit tous au même knowledge. Tiens. ça vous dérange pas que j'ai un rire de malade mental comme ça quand j'éclate des mecs, non? Ça vous dérange pas? Mec, ça c'est le miracle de Noël, ça c'est Noël, ça. Regarde. Et donc ici ça mène à un niveau secret. Mais avant ça, je vais aller faire autre chose. Parce que sinon on va pas avoir 100% des secrets. Et ça ce serait une très mauvaise nouvelle. Tiens toi ta gueule. Vous fermez tous vos gueules, j'aime pas Noël. Moi j'aime pas. Tiens. Moi j'aime pas les bons. Hein. Tiens ta race. Ça reste dérangeant dans l'ensemble. Bon bah ça va alors. Tant que c'est dérangeant, moi ça me pose pas de problème. Non, c'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça qu'il dit dans la chanson, les gars. YouTube, je suis désolé, je pourrais pas te dire ce qu'ils viennent de dire. Tac. Ruru, tu fais pas le réveillon. Bah si, je suis en train là. Tu vois pas? On est au foie gras là, Bumblebee. Y'a mamie Martine, elle s'est encore baissée pour ramasser son portefeuille, on a vu la moitié de sa raie. Et t'inquiète pas que si je le fête le réveillon, je fais que ça. Alors je fête, waouh. Normalement c'est ici, voilà, exact. Bim. Oh putain c'est sublime. Alors par contre vous voyez quand on fera le lundi oldie sur Exen, va falloir que vous soyez vraiment très très très... j'allais dire hétéronormatif mais non. Va falloir que vous soyez très très indulgent. Parce que là on a vu Duke Nukem avec Momo et Duke Nukem possède un level design qui est relativement à chier quand même, surtout dans cette extension là qui est vraiment hideuse. Le level design de Duke Nukem est à chier, mais Exen, bien que ce soit pas à chier, c'est extrêmement compliqué. Je me paume vraiment tout le temps. Ouais, donc si Arterus tu peux m'aider, franchement je veux bien parce que sinon je vais vraiment chier quoi. Donc le secret c'était bon. On va aller au niveau secret. On va garder la Gatling parce que je te promets qu'au niveau secret, ça va être... Non, c'est pas là.
Lucian, qu'est-ce que tu fais? Ça y est, c'est l'Alzheimer. Ça y est, c'est moi le papy fou là qui fait je veux manger un ça quand il est au repas de Noël. Et tout le monde dit papy, c'est bon, ça va, c'est rien, papy. Papy, prends tes petits médicaments, papy. Un. Comment ça, 90? Bitch! Comment ça, j'ai pas tous mes secrets? Attention, hein! Un. Allez, mon poteau, c'est Noël! Brum brum! Grosse couillasse, mon gars! Ils sont où? Il y en a encore là! Non, c'est mon pote! Là! Qu'est-ce qu'il y a? La. Wow! Gotta go fast! Ok, on y est. Alors, est-ce qu'il est là le... Oui! Petit passage secret, encore une fois. Je sais que vous êtes passionné par ce que je fais et par ce que je montre. Je crois que tu chantais du Tagada Jones. Ouais, en jouant à Doom, je chante du Tagada Jones, ouais. Ça va super bien avec le principe en plus. Attends, je suis où là? Ok. Non, c'est pas là non plus. Je me demande si je dis joyeux réveillon à Abdella qui m'amène mon taco de viande. J'arrive pas à savoir si c'est stigmatisant ce que tu viens de dire ou si c'est juste ce qui va se passer en fait. Genre si vraiment le nom de ton livreur c'est Abdallah et ça se trouve c'est moi qui suis raciste en pensant que c'est une blague. Je suis en plein un conundrum, comme on dit dans la langue de Jay-Z. Est-ce que je peux monter là? Non, c'est vraiment son prénom? Voilà. Le problème il est là. Non, je fais partie du problème, je fais partie du souci quoi. J'ai pris quoi? J'ai pas de clé là? Non, j'ai pas pris de clé encore. Qu'est-ce que je me fous déjà? Putain, attends, je me dis pas que je commence à me paumer dans Doom 1. Si je me paume dans Doom 1, c'est que ça y est, c'est pour moi c'est fini hein. Là, c'est la fin, c'est la canade. Ah non, c'est là. Merry Christmas everyone. Ho ho ho. Putain, il est déjà 19h, ça fait déjà 35 minutes que je joue là. Putain, mais ouais, mais ça passe trop vite aussi. Chier là. Vas-y. Y'a un truc que j'aime dans la vie, c'est jouer aux jeux vidéo et on me retire ce droit, quoi. Allez, popé. Allez. Voilà. La vache. Pour 3. Oh oui. Oh oui, mon gars. Alors... Oh merde, c'est la merde. Y'en a combien là, mec? Ok. C'est bon, ça va toi? Ça va moi aussi, ouais. On passe une bonne journée, gars. Twitch, il en chie avec les particules. C'est vrai, ça galère un petit peu là. Ouais, bah oui, je suis désolé, là, c'est un peu obligé. Sur Doom, c'est un peu obligé. Ça ira mieux, vous inquiétez pas, sur Generation Zero, tout à l'heure. Donc on tâchera de faire ça à 20h, je vais essayer de pas trop dépasser. Après si j'ai envie de dépasser, si tu veux je peux dépasser un tout petit peu. Mais on va essayer quand même de se tenir à nos 20h. Et donc ensuite, après Generation Zero, et c'est un petit peu le clou du spectacle ce soir. Non, je voulais pas descendre. Après Generation Zero, on va mater un film, ou deux, ça dépend si vous êtes sage. Sur le drive-in de LMF. Donc c'est un autre lien, ce sera pas sur Twitch, hein, c'est un autre lien où il faut aller. On vous le donnera en temps voulu, vous inquiétez pas. Vers quelle heure le ou les films? Tu verras bien, lol truche. Tu sais que nous sommes des papillons, hein. Nous ne sommes pas confinés à l'esprit, voilà, de 2 heures d'horaire. Mais bon, c'est vers 23h30, je pense. Mais on est des électrons libres, en fait. Mais voilà, on va mater deux films de Noël, tous ensemble. Dont un, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Et l'autre, certainement moins. Je sais pas si on va mater les deux encore. Enfin, si on va mater les deux ce soir. Mais... ça dépendra un peu de vous aussi. Oh la vache, 15 de vie là. Oh merde, j'ai pas de grenade. Oh, pas besoin. Les Gremlins MDR. Non. Pourquoi ça me fait rire?
Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Non, c'est pas les Gremlins, non. Mais c'est un film dont vous avez certainement entendu parler. Non, c'est pas les Goonies, non. J'ai pas vu les Goonies et je regarderai pas les Goonies. Je veux rester libre. Vous pouvez prendre ma bagnole, mon shit planqué sous l'étagère, mais vous n'aurez pas mon droit de ne pas regarder les Goonies. Je suis désolé, je ne regarderai pas les putains de Goonies. Non, c'est pas la fée des dents non plus. C'est pas la fée des dents, non. Vous voulez que je vous dise? Le film de Kung Fu québécois, c'est pas très Noël, mais ça pourrait, franchement, ça pourrait. Hein. Si on était des gros bâtards, c'est ce qu'on ferait. Malheureusement, c'est l'esprit de Noël. Et, aïe. Oh, un truc qui m'a fait mal. Un truc qui pique. Vous voulez que je vous dise vraiment? Vous êtes sûr? Vous voulez pas garder un petit peu la surprise? Allez, à main levée, là. À main levée, qui c'est qui veut que je lui dise et qui c'est qui veut que je lui dise pas? Putain, il y a encore des... il y a encore des spectres derrière moi. Ah, putain de presque. Fuck. Non. 8 PV. Franchement, ça se fait. Tu sais quoi? Merde, comment on fait pour les quick save déjà? Non, mais je sais plus. Alors, c'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est qu'avec 8 PV, en fait, je peux pas aller... Je suis allé nulle part. Parce que... Avec 8 PV, je vais mourir, en fait. Garde la surprise. Ok, je garde la surprise. Ouais, ça va être chaud, en fait. Bah oui, ouh la vache que j'ai mangé. Ouais, non, ça je sais. ok, Jésus-Christ, au pire, enfin... Ok, on recommence. Non mais ok, on vous dira pas ce que c'est, vous inquiétez pas. On va garder la surprise. Pause bleu. Ouais, petit coup de pied en l'air. Ça, c'est mon côté French Cancan, je suis désolé. Hein. C'est festif aussi, hein, French Cancan. Par contre, abuse pas, la surprise pas après 23h parce que je vais dormir. Bah, si tu vas dormir après 23h, tu verras pas le film. Alors, qu'est-ce que ça peut foutre ce qu'on passe? Et con, quoi. Eh ben là, non, mais là, tu t'es auto-échec et mat, mon petit Silendil. Ah oui, c'est vrai, mais évidemment, c'est vrai. Ok, là on est bien. Ok, c'est là le... Ouais, passage secret, ok. Je veux faire mes passages secrets, je veux montrer aux gens que je connais un petit peu le jeu, ok. C'est ma street credibility qui est en jeu actuellement. Je regarderai la rediff demain au taf, mais ce sera pas en rediffusion vu que c'est pas un film qu'on passe sur Twitch. Donc dans tous les cas, t'es niqué. En fait, là actuellement, si tu vas te coucher, t'es niqué. Donc... mais oui, mais il est là le problème, mec. Oui, bien sûr, mais je t'ai tenu en échec et match, je te dis. Tu peux pas rivaliser, moi les échecs je suis super bon. Maintenant je connais quasiment, j'ai quasiment même plus besoin de regarder ce que font chaque pièce. Donc voilà. Mec, qu'est-ce que tu veux faire? Supériorité numérique, supériorité intelligente, voilà, bon bref. C'est quoi le niveau horaire, le programme de la soirée? Là jusqu'à 20h, moi je vais faire du Doom. Ensuite, de 20h jusqu'à environ, on sait pas. On va faire du Generation Zero jusqu'à ce que ça nous fasse chier. Et puis, mais en vrai, je pense que vers 23h30 minuit, je pense qu'on va passer le film. Vers 23h30 minuit, ouais. En espérant que toute mon équipe de fidèles compagnons l'ait tous téléchargé comme j'ai expressément dit. N'est-ce pas, mesdames et messieurs? Attention. Faut pas décoller. Je vais y vomir, hein, c'est pas décoller. D'ailleurs, il y a un ou deux films. On verra sur le moment. On verra où ça nous envoie. Ça parle de Yadar. Ah non, pas forcément. Non, pas forcément Yadar. Pas forcément Yadar. Ouais, j'en ai mangé, je crois que j'ai mangé des bouts. Et vous savez que ce à quoi je suis en train de jouer là, et qui a l'air extrêmement fun, et qui va certainement animer des soirées entières chez vous tout seul, c'est gratuit. Hein. Tout ce que je suis en train de faire là, c'est gratos, poteau. Donc je vois pas encore ce que vous foutez là en fait. Je vois pas encore ce que vous foutez à ne pas le télécharger le jeu quoi. Attends, tu sais quoi? Tiens, mange. Encore. Ouais, j'en ai encore plein comme ça. Hop, tac, hop, encore. Tac, 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 tac.
Oui, on va mater Tintin chez les Noirs. Tintin en Ouganda. Tintin participe au génocide arménien, on va mater. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est pas pour tout le monde, hein. Je sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas, en fait. J'avoue, je rigole, mais je rigole pas trop, en fait, parce qu'on sait jamais. C'est bon ? Non ? Là, c'est comme la scène dans Stalingrad, quand ils se cachent dans les cadavres. Et qu'il y a les Allemands qui passent pour tirer sur les cadavres pour être sûr qu'ils sont morts. Ah, good times. Attends, je vais faire une save par contre, vite fait. J'adore streamer. Oh merde. Oh là là, qu'est-ce que tu fais, Michetons. Ok. Ça me remet là. Ok, d'accord. Putain, j'ai plus de munitions là, t'es sérieux? Si, de ça, voilà. Voilà. Ah, voilà pas. Attends. Alors, en espérant qu'avec les armes améliorées comme ça de Brutal Doom, j'espère que je vais avoir le super shotgun. Parce que quand même... 50% de secret. Ah, c'est pas très bon, c'est pas très bon. J'en ai loupé un sur la fin, je crois. En parlant du truc, j'ai vraiment pas le... Player option... Ah, HUD type. Full helmet. Ah, faut refaire ce... Attends, fais voir, on est sur quelle map? E1M4. Mais c'est pas du tout le casque, ça. Mais... Brutal Doom, ça va? HUD type. Ah, voilà. On y est. Oh là. Oh là là. Oh. Oh mec, c'est éclaté. C'est complètement éclaté. Attends, je peux pas le changer, ça. Ouais, c'est éclaté, mec. Custom HUDs, Classic HUDs, Full Helmet. Mais non, pourquoi ça dans ce truc-là? Brutal Simple, 16/9, je comprends pas. Bon, c'est pareil, bah les couilles, on s'en fout. Ça n'a aucune incidence sur le reste du gameplay, on s'en bat à la race, on s'en bat les couilles, comme disait Morse. Vous avez vu que Morse, d'ailleurs, il est en train de bosser sur un nouveau film? Est-ce que ça, c'est pas une bonne nouvelle? Pourquoi je peux pas changer d'arme? Allô? Ah, vous m'avez viré toutes mes armes, en fait, ok. Voilà, impeccable. J'ai bientôt plus de munitions, c'est pas grave, ça va se faire au point. Hein. Alors par contre, là-dedans, ça va être super rigolo. Putain, t'as bien. La revanche. Ouais, il est en train de rebosser. J'ai vu ça, je sais plus qui a retweeté ça tout à l'heure. Mais ouais, il est en train de rebosser sur un film, là. Donc ça va être... Je pense que ça va être un bon moment de cinéma. Et en fait, maintenant, je suis en train de me dire, mais pourquoi, au grand pourquoi, on n'a pas streamé La Revanche, le film de Morsay, sur notre drive. J'ai aucune idée de pourquoi on l'a pas déjà fait, en fait. Pourtant, ça tombe sous le sens, mais bon, écoute, ce sera pour un autre jour. Si ce soir vous êtes sage, on vous streamera La Revanche, d'accord ? Ça fait pas Noël. Non, ça fait pas Noël. On l'a pas maté en stream il y a hyper longtemps. Moi, ça me dit rien. Je me souviens avoir maté un bout sur YouTube, mais alors en stream. Ah, ou alors peut-être que Adwim l'a passé alors. Peut-être que Adwim l'a passé. Je sais pas. Tiens, ta mère, toi. Ça fait pas de Noël. Je sais pas quoi. Si je le dis en entier, en fait, je brûle. Pourquoi je tourne en rond comme ça, comme un genre de... Tu sais, on dirait le film avec les hamsters là. Les hamsters qui sont des espions. De quoi? Je vais faire un AVC. Okay. Merry Christmas, everyone! Ho, ho, ho! On l'a déjà fait, c'est avec vous que je l'ai vu. Eh ben, dis donc. Ils s'en passent, ça va coussi ou quoi? Alors, c'est comment la vie de l'autre côté? De l'autre côté du normisme? Comment, c'est comment là-bas? Il paraît qu'il y a à boire. Oula! Sans PC fixe.
Il est mort ce qu'on a presque, mon ami, presque. Si vous voulez, il a pas de PC et des copains. Donc c'est totalement l'inverse de ce qu'on fait ici. je dois aller où là? Hamdoulilah. Ouais, bah écoute. Ou Hamdoulilah, je sais pas. Je sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas en fait. Je brûle si je le dis ou c'est chill. J'ai une grenade ou pas? J'ai une grenade. Voilà. Vous allez tous niquer vos races un par un. Filez-moi ça. Voilà. Il y a des meufs et de la bière. Ouais. Je déteste les meufs. T'as pas le droit à l'alcool et les meufs, bon. D'où il a pas le droit? Ah oui. Je sais pas quoi dire. Je sais pas si j'ai le droit de dire des choses ou pas. J'ai la clé bleue. C'est par où la clé bleue? Pas par là. Putain, je suis où là? Oh bah oui, c'est ici, je suis con. Je suis pas concentré là. Hein. Tac, tac, tac. Pfff. Oh la vache! Oh, j'en ai les deux côtés, ils ont. Ils arrivent de toutes parts! Fuck! Ah! Fuck! C'est bon? C'est pas bon? Oh putain, il me faut de la vie par contre. Oh la vache! Oh la vache! C'est par où? Là! Putain, merde! Tiens, attends, file-moi les points là. Je vais m'en sortir avec les points ici. J'ai besoin de rien d'autre, moi. C'est la revanche. La revanche, si un plat, il se mange... Tu le mets dans le four, tu mets à décongeler 25 minutes, une demi-heure, une bonne demi-heure. C'est où, c'est là? Ok, donc ça, c'est juste des petits sucres d'orge. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle comment déjà les sucres d'orge en français? Enfin, si, oui, c'est ça, c'est les sucres d'orge, les candy cane. C'est pas des petits bâtons de sucre. On est d'accord. Mec, j'ai fait un gros affaire. On dit comment sucre d'orge en français? C'est comme en repas de famille. Quand mon papy m'avait demandé, j'étais né à quel âge? Et il se mettait en colère parce que je comprenais pas la question. Je comprenais pas si ça n'avait aucun sens. Il fait, t'es né à quel âge? Mais de quoi, papy? Mais t'es né à quel âge, mon dieu? Mais j'y comprends pas, papy. Et depuis, toujours pas compris. Hein. Oh, attends, est-ce qu'ils ont... Non. Non, ils l'ont pas changé. Attends, bouge pas. Faut que je vous montre un petit truc. Je sais pas si j'avais expliqué dans l'autre stream de Brutal Doom. Ce qu'il y a sur le sol, là... Je pense qu'on est tous d'accord. Attends, faut voir. No clip. Non, c'est merde. No clip, ouais, ok. Fly. Fly. Non, pas clumi. Ouais, fly. Hop, voilà. Je sais pas si pour vous ça le fait aussi, mais on est d'accord, ça ressemble à quelque chose, ça. On est d'accord. C'est comme si ça avait été altéré. Et en fait, les gars de ID Software voulaient faire une référence au fait qu'ils ont fait aussi Wolfenstein. Et quel meilleur moyen de rappeler Wolfenstein que de faire une énorme, gigantesque croix gammée dans le sol. Le problème, c'est que les gens, ils ont pas trop kiffé le délire. Ils ont pas trop compris la ref. Les mecs, ils ont dit lol, j'ai pas lu. Et du coup, ils ont scrap complètement le truc parce que bah, ça le faisait vraiment pas, quoi. Déjà que le jeu, il avait été incendié dans tous les sens parce qu'il était ultra violent pour l'époque. Ils ont été obligés de virer la croix gammée. Mais à la base, oui, ils voulaient faire une petite référence à Wolfenstein. Ouais. Écoute, les gens sont pas des artistes, les gens sont pas les taureaux. Donc, bon. Secret 0%, yes, Russian, impec. Paubaus. Let's go. Ici, j'y galère tout le temps. Je me paume en boucle, poteau. C'est catastrophique. Attends, quelqu'un est en train de me... Oh putain, il y avait un laborantin, je crois. Je crois que je viens d'éclater un mec qui a un master de physique. Bouge pas, attends. Tu joues comme moi, nique les secrets. Mais c'est parce que je me concentre pas trop, là. Et je les connais pas non plus tous par cœur, j'avoue. Je les connais sur les quelques premières maps. Et d'autres maps des autres épisodes. Mais par exemple, ici, c'est assez évident. Hop. Voilà, Pekeb. Toi, tu vas fermer ta gueule. Ah, t'as tiré sur ton pote. J'espère que t'es triste. J'espère que tu l'aimais. J'espère que... Oula. Attends, qu'est-ce que... Donc là, je pense qu'ils ont essayé de rajouter des barreaux pour faire un petit peu plus... legit. Et ça fait pas très très legit, hein. Attends, je me fais tirer dessus, les... Cassez-vous, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'ailleurs, normalement... Attends.
Si je me gourre pas. Où est-ce que j'ai buté un laborantin tout à l'heure là? Attends, c'était là non? Il me semblait que. Ah. Tiens, nique ta mère. Normalement, sur les laborantins, tu peux choper leur hache et te battre à coups de hache, mais apparemment, je peux pas là. C'est pas grave. What is the Bataquake? Mais ça me fait rire. Voilà. Ouais, normalement, sur les laborantins, tu peux choper leur hache. Ça aussi, c'est un ajout de Brutal Doom. Shut the fuck up! I don't celebrate Christmas, I'm a fucking pagan! Qu'est-ce qu'il y a? T'en veux une? Tiens, elle est cadeau celle-là. Oh tiens, c'était beau. À vous, c'était beau, mec. À vous, c'était beau, là. Félicitez-moi un petit peu, j'ai besoin de validation. Voilà. Alors là, je vous admets que c'est pas que Twitch qui galère avec les... Je me casse. C'est la merde. Attends. Par ici. Vite. Ouvre. Ouais, une tenue de petit Santa. Yes. Et je sors parce que là, c'est chaud de ouf. Putain, j'ai plus de grenades. J'ai pas lance-roquette. Non, j'ai pas lance-roquette. Et j'ai plus de munitions de Gatling. Écoute, je vais en niquer de dehors comme ça. Ok, j'ai plus de munitions non plus. Oh là 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 là. Ouh. Il m'a campé, il m'a pré-fire. Comme disait un des grands scientifiques de notre siècle. Ah putain, encore un. C'est bon? Les mecs ont un master, mais face à un minigun, il leur sert à rien leur master. Oui, bah écoute, mec, je suis désolé. Hein. Tu peux pas être fort à la vie et fort à la guerre. Ce qui a été montré dans le film documentaire American Sniper. Qui relate, écoute, une histoire assez marrante. Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi il y a des petits tubes? Pourquoi ils ont mis des tubes? Ils ont mis des tubes d'Archvail dans quelle situation? Pourquoi ça fait ça? C'est pas possible, ça? C'est moi l'aventure. Il me préfère. Tac, ça c'est une autre petit secret. Mais être fort à la guerre, c'est être fort à la vie, non? C'est être fort à la mort. Bon, c'est être fort à la mort. Comme le... Je sais pas ce que c'est fort à l'amour, en fait. Donc oh, putain de sa mère. J'aurais bien voulu prendre l'armure. Ah. Oh putain, il s'est fait enculer. Oh. Ok. Monte. Tout au BM. Voilà. Impeccable. 200 d'armure. Je suis immortel. À la vie, à la mort. Une casquette de capitaine. Un vieux caban comme blouson. Rendez le mont Saint-Michel sur un écusson. Il traînait ses vieilles bottes les mêmes que Kersezon. Depuis belle murette. Ah, voilà, lui, là. Voilà. Et je sais pas si vous avez vu, mais quand je l'ai éclaté à coups de hache, ça m'a mis un bonus de cruauté. Et le bonus de cruauté, ça te rajoute un petit peu de PV. Donc, voilà, Doom, c'est ça. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que là, j'ai des gants. Là, j'ai pas vraiment des gants. Et là, j'ai des gants. Vous avez remarqué ça ou vous avez pas remarqué? Je sais pas si vous avez remarqué. J'adore ce truc. Ok, là, il y a plein de munitions, il y a plein de vie, je suis immortel. Oh, la grosse idée de merde! Oh non, merde, la grosse idée de merde! Ils m'ont niqué toute ma vie d'un coup! Ah, mec! Ah, je me sens comme un spider qui conduit en hiver, là. Ah, je me sens comme un spider. Wish we could turn back time to the good old days. Ah là, ta gueule, coup de hache, coup de tête balayé, tiens, salope là. Je viens de buter un bouquin, je me sens mal. Voilà. Allez, mais recharge entièrement, putain, il est timide ou quoi là? Voilà. But now it's just out. Wish we could turn back time. To the good old day. Il faut pas que je chante ça parce qu'il y a encore Spider, il va me vanner là. Déjà, j'ai eu le malheur de lui dire que j'aimais bien une chanson d'Angèle. Il me lâche pas avec. Et il pense que ça m'insulte. Attends. Ici, là-bas, il y a aussi un passage secret d'ailleurs que j'avais oublié tout à l'heure. Voilà, regarde. En plus, il y a un lance-grenade, ça va nous aider fortement pour ce qui va suivre. Impeccable. Oh là, je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas moi. Hein. Ok.
Quand tu chantes ça, j'ai le webhome avec Lénine en tête. Bah, moi, j'ai celui avec les panzers, donc ça dépend de l'interprétation de chacun. Hein. C'est un peu l'interprétation libre. Comme la fin de Matrix 3, en fait. Tout le monde d'éléments. Non, peut-être t'es pas mort. Voilà, nique. S'il te plaît. Je t'en... Mec, va falloir que tu niques ta race à un moment quand même. Voilà. Il y a une jolie voix en jet, je comprends pas pourquoi il y a tant de gens qui l'aiment pas. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, c'est tout. Les gens qui aiment pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent. Voilà. Et du coup, Spider, j'espère que t'as bien retenu que j'aime bien celle de Maître Gims, là. Hein, pour pouvoir me vanner dessus. Parce que plus tu la passes, plus ça me rend fort. It makes me stronger. File-moi ça. J'ai combien de munitions? Oh, j'en ai bien assez. Impeccable. Ça écoute du Angèle, ça a des cheveux de jeune délinquant, ça fume du hachis. Du hachis. T'as écrit du hachis. Je fume du hachis parmentier, poteau. Rebelle everywhere. Oh, fuck. Putain, nique tout. Oh, putain, la vache, les petites miettes. J'en ai mis partout à côté, hein. Comme quand tu pisses le matin quand t'as la gaule, poteau. C'est bon. Ah. C'était la blague, t'es vraiment streamer. Ah, mais de ouf, mec. Je suis à deux doigts de faire une belle Delphine. Hein. Je vais pas vendre de l'eau de mon bain, je vais vendre de l'eau de riz, du coup. Comme ça, au moins les gens qui ont la chiasse, ça les aidera un minimum, tu vois. Parce qu'avec de l'eau de bain, je sais pas ce que tu vas choper à part la syphilis. Hein. Mais vous allez... Du dent. C'est bon? C'est bon, ok. T'es vraiment streamer en plus, qui me dit. Tu veux qu'on compare nos streams de Euro Truck Simulator? Tu vas voir si je suis streamer. Ok. Attention, hein. J'ai le bras long, hein. De l'eau de patate fermentée, Zurician One. Eh ben, franchement, s'il y a un marché, moi, j'offre, hein. J'offrais. Ah, c'est une petite blague. Vous pouvez pas la comprendre. C'est bon? Ok, c'est bon. Oui, Nicolas. Je sais pas pourquoi ça me fait rire à chaque fois. De nous appeler par nos vrais prénoms, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me fait irrémédiablement rire. Et donc dans un des streams, il y a de la musique raciste. Bah justement. Je crois pas. Dans le mien, il y avait rien. Hein. Je sais pas pourquoi Spider, il se confond dans le... Il y avait ça aussi, j'avais oublié, putain, ce passage secret là-haut. Qu'est-ce qui m'arrive? Là aussi, il y a... Alors toi, c'était vraiment pas ton jour. Donc il y a lui à libérer. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une clef. Il me fout une clef. T'as une clef? Let's rock! Tout. Vous m'avez téléporté ici, c'est pas très cool. Tout. Oh, on m'appelle par mon prénom, c'est que j'ai fait une connerie. En général, ouais. Et je t'appelle souvent par ton prénom, je sais pas si t'as remarqué. Hein. Ah là! Oh putain, c'est beau! Oh, moi, je suis désolé, mais ça me fait du bien, moi. Est-ce que ça vous plaît un peu de violence comme ça pour Noël? Je trouve que c'est pas assez violent Noël encore. Les séparations des parents et les familles qui se déchirent, c'est pas encore assez violent. Donc on va dégoûter tout le monde de Noël avec nos conneries. Ah voilà, il y a un passage écrit ici aussi, c'est parce que je me disais. Voilà, regarde, avec tout là, il y a tout là. On va avoir un mode Brutal Truck. Un genre, oui, tu veux dire un genre de... comment ça s'appelait déjà? Carmageddon, en fait. On va transformer Euro Truck Simulator en Carmageddon, t'écrases des gens et tout, ce serait marrant, ça. Mais non. Moi, c'est trop... Moi, c'est trop corps, j'aime bien, moi. Elle est où, la clé bleue? Putain, je suis con ou quoi? Oh. Enfin, marrant. Bah si, je suis désolé, c'est rigolo. Ah bah si, c'est Uberlin, en fait. Les gars. Merry Christmas, everyone! Marrant, je suis assis sur le camion, il pète. Comme disait Ben Laden. C'est marrant que t'aies fait aucune blague sur Nice, d'ailleurs, pendant ton heure et demie où t'as fait du camion. Est-ce que c'est pas marrant? Est-ce que c'est pas intéressant, ça, quand même? Ah. Voilà. Bon, bah, j'ai rien dit. Casse-tête, ouais. Faut que tu me déranges. Ok. Hop. Hop, hop, impeccable. Je pense que c'est ce que je vais faire aussi. J'étais en train d'y réfléchir là tout de suite, tu vois. Mais comme vous avez été super généreux ce soir avec nous, je pense que... Oh, y a eu des gros dons, là. C'est
vraiment des trop trop gros dons en fait. Donc à ceux qui ont envoyé des dons ce soir, je pense que je vais envoyer des stickers LMF au moins pour vous remercier. Une connerie, voilà, c'est un gadget, c'est une connerie, mais c'est juste au moins pour remercier les gens de nous avoir donné autant de fric. C'est vraiment pas... Putain, attends, comment on fait déjà pour foutre la night vision? Attends. Option. Contrôle. Contrôle. Night vision, c'est où? Vous l'avez vu, night vision, ou pas? Victim, back time. Emplacement d'armes, non. Activer objet, voilà. Donc c'est wheel right, wheel left, ça n'a aucun sens. Et activer objet, ok. Attends, file-moi. Voilà, page up, page down, je préfère. That's the way we'd like to fuck. Je vois pas quel objet j'ai. Jésus-Christ mort en croix, ça ne marche pas. Attends. J'ai eu du pognon, je ferai des dons, dommage, je suis pauvre. Non, mais c'est pas... Je dis pas ça pour ça, espèce de malade. Je dis pas faites des dons pour avoir des stickers et des maps. Non, mais... Non, c'est pas ça, non, bah j'annule tout alors, non, genre, je vous envoie rien, vous allez tout vous faire foutre. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça du tout que je voulais. Non, faut pas déconner, t'es fou, quoi. Non, merci, mec, hein. Mais c'est pas ça que je veux juste vous remercier de ma façon à moi. Ah, putain, je m'en suis pris plein la gueule. Qu'est-ce que tu me fais faire? Fais chier avec vos générosités, là. Ouais, éclair, toi, avec ton gun. Voilà. Oh putain, je vois rien. Oh, ça s'ouvre ça? Oh putain, l'autre secret. Ah oui, mais c'est ici, ok. Je viens de vendre mon rein pour avoir un peu de liquide, là, tu fais chier. Mais non, mais arrêtez, vous êtes cons, quoi. Je suis pas en train de vous demander de faire des dons, je suis en train de vous dire que je vais vous remercier pour en avoir fait. Vous êtes tous complètement cons, vous faites exprès. Il va juste falloir que je retienne bien la liste. Au pire, vous venez me dire sur Discord. Tiens, ta gueule. Non. C'est trop gentil. Ça va faire un peu peler ce que je veux dire. Déjà quand une phrase commence comme ça, je suis instantanément fan parce que c'est toujours très, très agréable. Merci beaucoup d'ailleurs, Biob, pour le cadeau, Onyxio. Merci beaucoup. Ça va être un peu peler ce que je veux dire, mais en vrai, merci pour le stream. Le soir, le poteau, ça fait du bien quand t'es au service loin de la famille avec les amis. Et des amis lors d'une date, d'une date plutôt plus, j'imagine. Après, si tu veux faire une date avec nous, y a pas de problème, hein. On boit un petit coup, on voit où ça nous mène, mais plus une date, je pense. Mais écoute, c'est notre plaisir à nous, c'est pour ça aussi qu'on aime bien le faire. D'habitude, je peux pas le faire parce que je suis en famille, moi aussi, mais de le faire cette année, j'avoue que ça me fait extrêmement plaisir. Et puis c'est une autre ambiance, quoi. On glande entre nous, on parle, on raconte, on se dit à quel point nos vies sont nulles. Non, c'est sympathique. Ah. Arrêtez, putain, j'aimerais bien que ce soit nous qui soyons généreux à un moment. Gardez votre thune, bordel de merde. Merci beaucoup, mec, tu peux savoir à quel point ça fait plaisir. Merci beaucoup, mec. Ça fait plaisir parce qu'une putain nique la SNCF, mec, je te promets. En gros, voilà, c'est ça aussi le truc qui fait que je peux participer cette année au Noël des Exclus. C'est parce que la SNCF, cette bande de grosses races, ils ont voilà, annulé tous leurs trains et le moindre billet, il coûte 40 balles pour faire 1h10 de voyage pour retourner en Bretagne. Donc si tu veux, enfin c'est clairement ça mérite des pendaisons, tu vois. Et là j'ai réussi à prendre un billet pour jeudi, donc en gros je vais retourner dans ma famille après tout le monde. toute la dinde. Putain. Les joyeux de Noël d'Emma cuisine, les copains. Merci beaucoup, Hunter, bordel de merde. Merci beaucoup, mec, putain. J'ai mal aux joues à force de sourire, je sais pas quoi dire. Merci beaucoup, mec. Merci beaucoup. Donc ouais, je vais en famille, donc jeudi. Si jamais, au grand jamais, ils annulent le train de jeudi, poteau, que j'ai payé 20 balles, alors, vous allez me voir aux infos, hein. Va y avoir du meurtre de moustache. Mais bah, qui c'est qui a tiré sur le cadavre de son pote? Mais ça se fait pas, vous êtes vraiment des cons. Je vous promets que je vais le tabasser, le moustachu, et je vais y foutre des coups avec son bonnet. Là. Parce que tous les gars de la CGT, ils ont une moustache et un bonnet, ça maintenant, j'espère que c'est d'utilité publique. Mais tu vas voir, non mais une grève, d'accord, mais s'ils annulent mon train, celui que j'ai pris exprès, ça va se régler par le sang. Je vais descendre à la gare, je vais les éclater moi-même. Hein.
pourquoi les moustachus ils sont pas tous comme dans le Pôle Express, mais bien sûr que si. T'as déjà vu des mecs de la CGT, mec? Et ils les tirent à la chaîne, les gars. Ça sort de l'usine avec leurs moustaches et leurs bonnets là. Puis ça a des manteaux de chasseurs et puis ça dit bonjour. Alors moi, ça fait 15 ans pour avoir un con. Moi je commence à avoir marre. Oh, ça fait 15 ans je stream. Ça fait 15 ans, prends pour un con, 15 ans. Ça parle comme ça en plus, hein. Ils parlent comme ça ces mecs là. Non mais je les connais moi, je te promets, je les emplafonne, mais tous à la fois quoi. Je fais une obélix, hein. Pour assurer mon voyage, j'ai pris 5 billets pour assurer les jours. Ah ouais, donc lui il est ouf lui. Comment on remonte? Ah, impeccable. Comment je remonte déjà par là-bas? Yes. Non, j'espère vraiment que jeudi je pourrai aller voir ma famille, ça fait un an et demi, ils m'ont pas vu. J'espère quand même avoir un petit peu le temps, tu vois. Ok. Tu voulais pas faire un autre truc avant 20h? Non, je fais ce que je veux, Arthurus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'es pas mon père, hein. T'es pas mon père, Arthurus, hein. Donc, c'est bon. Ok. Ils font des grands gestes avec les bras. Ouais, de temps en temps, quand c'est pas la saison, ils descendent avec leur gilet, là. Oh, putain, mais attends, il est ouf, lui, il a un plasma. Ils descendent avec leur gilet jaune, là. Chanter dans le centre de notes pendant que toi t'es tranquille au sunset en train de te bouffer ton Obi-Wan. Voilà, ça te tombe sur l'estomac, t'es tranquille, t'as envie de manger juste en critiquant les clochards. Et non, il y a des... Putain, j'ai parlé de la bouffe du sunset à Nantes, j'ai la bave. Et non, t'as des connards qui arrivent chanter comment on appelle ça, la Marseillaise. Mal, faux. Non, mais c'est pas une vie. Tiens, mange ta race. C'est une question, ok, on va se calmer. Non mais je sais, je... Non mais si, bien sûr, je voulais montrer d'autres trucs, mais là je suis bien parti, donc je montrerai Viet Doom juste après. De toute façon, la bêta elle va vraiment pas durer longtemps, le stream, parce que c'est même pas une bêta, c'est une alpha 0.1, donc c'est littéralement le premier build disponible, et il est vraiment éclaté, je sais même pas s'il va bien tourner. Voilà, carte informatique, ça veut dire qu'on a toute la map découverte sur l'automap. Hop, ça en a ouvert un truc, pff, je sais pas ce que ça fait. On verra bien. T'allais pas dire chanter la Reine des Neiges? Il me semble pas, mais ça se fait, hein. Let it go, let it go, turn away and send it go. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. The cold never bother me anyway. mec. ça me fera jamais pas rire, ces conneries. Oh, Demon Strength. Fuck you. Fuck off. Coup de pied en ta gueule. Je mets les pieds où je veux, Little John. Salope. Putain de sa mère. Oh. Toad. Alors ça m'a fait extrêmement peur déjà, j'ai failli m'étouffer sur ma bave. Mais ouf. Merci beaucoup Toad, merci beaucoup. Merci. Vous pouvez pas savoir. Enfin si, vous pouvez savoir, mais je veux dire, c'est une façon polie de dire merci quoi. Ok. Par là-bas. Bonne année, mais bonne année à toi aussi en plus, Toad. J'essaierai, là on va faire l'année entre le nouvel an, là on va faire une espèce de petite fête. Je pense qu'on essaiera de faire une photo pour vous remercier aussi. Une photo de nous tous au nouvel an. Je pense que ça pourrait faire une petite photo sympa. Surtout qu'on va tous être en train de gerber du fromage très très cher et très très bon. Donc normalement il y en a. Ouais, il y a pas que un, il y en a plein ici. Merry Christmas everyone! Ho ho ho! Il aurait fallu un costume pour que je passe par ici, c'est pas grave. Voilà. Hey Shana Tova! Mais où que tu sois, j'ai rue au Paris, c'est comme il m'est bu. Voilà, putain, j'adore ce jeu, mec. Je peux... C'est devenu tellement. Jouer à Doom en fait, c'est un petit peu comme respirer. Quand je le fais pas, ça va mal, quand je le fais, ça va super bien. Et je pense que voilà, j'irai jamais quelque chose d'aussi philosophique que ce que je viens de dire maintenant. Casse-toi, toi. D'abord, je suis occupé.
Voilà. Oh putain, c'est beau. Ça se chie vraiment dessus quand il y a du sang ou quoi? Ça sera plus joli sur la rediff, je pense. Il y a plus de bitrate sur la rediff, donc ça ira mieux. Voilà. Sad life, on a volé mon colis avec le sweat et la meuf. Non, sérieux, mec? Bah, Vito, hey, bouge pas, tu sais quoi? Tu l'as payé ton colis. Si jamais t'arrives pas à le récupérer, nous on t'en envoie un, d'accord? Tu viens me le dire sur Discord. Tu viens me le dire, tu m'envoies ton adresse si tu veux et nous on va t'en offrir un, d'accord? Parce que c'est Noël. Parce que tu nous fais des dons, tu nous fais des subs, etc. Et te voir ton pull se faire piquer, franchement, ça c'est le shaitan. Donc tu viens me voir et si t'arrives pas à résoudre le truc avec UPS ou Chronopost ou mon cul, on t'en offrira un, nous, le pull. Bah oui, avec les grèves et tout en même temps, tu m'étonnes que les autres ils se chient là. Putain. Merci, Volkix. Les mecs. Putain. Vous êtes complètement malades ou bien? C'est super gentil, Volkix. Merci beaucoup, mec. Ah, et bah voilà. Je savais bien que j'avais vu un truc. Je peux monter là? Oui, je peux monter là. Impeccable. Et il s'est barré. Non, wesh, c'est de l'oseille, je recommanderais, et il est dispo jusqu'à quand? C'est quoi, c'est le pull de Noël ou c'est le sweat avec la croix? Et puis c'est de l'oseille, t'es gentil, mais tu l'as payé ton pull, alors la moindre des choses, c'est quand même que tu le reçoives. Et sinon, on peut faire une bonne action, bon. Oh là là, fuck. C'est le sweat de Noël, en plus, c'est le sweat de Noël. Bah écoute, tu viens me voir sur Discord, tu me le réexpliques parce qu'il faut pas que j'oublie. Et ensuite, on t'en offrira. Ça fait chier qu'on ait pas des stocks, j'aimerais bien pouvoir offrir plus de trucs. Mais bon, déjà je vais essayer de. Tous ceux qui ont fait des dons là et qui ont offert des subs et des trucs comme ça, venez me voir sur Discord et je vous filerai des stickers. Vous m'enverrez votre adresse et je vous enverrai des stickers par la poste en espérant qu'ils se fassent pas voler, hein. Communiste, hein. Je vous enverrai des stickers par la porte. Les nouveaux stickers LMF sont super cool en plus. Je pense que vous allez les kiffer. C'est toujours des stickers d'intérieur, par contre, d'intérieur. Donc les foutez pas sur votre bagnole, les foutez pas sur vos comment boosters MBK, et trucs comme ça. Tu sais quoi, je vais même écrire ça sur un post-it. Hop. Stickers et pull Vito. Vito Mythe. Voilà, impeccable. Et où le lien des pulls de Noël? Sous le stream, BG. C'est sous le stream. Il y a tous les liens dont tu as besoin pour LMF. Il y a le store, il y a les chaînes YouTube, il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie. Du soleil par-dessus les toits. Qu'est-ce que je dois foutre, là? Faut que je me casse par où? Attends. Mon frigo est rempli de stickers de tout et de rien. J'ai de la place pour un sticker LMF. Eh ben écoute, Fullkix. T'as filé 10 balles, c'est quand même la moindre des choses qu'on t'envoie un sticker, ce qui nous a coûté quasi que dalle. Donc je ferai ça aussi. Faudrait que je fasse une petite liste après. Je vais faire ça après le stream, par contre on va pas faire ça tout de suite, mais on fera ça après le stream. Par où je dois me barrer, moi, putain? J'ai chopé la clé jaune. C'est ça? C'est ça, là? Non, c'est de là? Non, c'est de là que j'arrive. Ouais, putain, les gars, je suis paumé, là. Où est-ce que je suis pas allé, là? Fais voir. Passer par là. Eh, je vais jouer au jeu comme ça, c'est pas grave. Hein. C'est un genre de RTS super marrant. C'est par là-bas? Oh, ça me paraît bizarre tout ça. Allez, tu montes l'ascenseur là, putain, regarde, ma petite flèche, elle est occupée là. Oh! Ok. Là, c'est bon. Non, par là-bas. Les gars, je suis paumé. C'est ouf, ça, non? J'ai envie de dire, what is up with this pataquake? En plus, putain, c'est dans 13 minutes qu'on doit commencer Generation Zero. Faudra quand même que je finisse la map. Bon, tu sais quoi? À la place de finir la map, je vais vous montrer juste Viet Doom. Avant de finir. Voir déjà si ça va vous plaire. Bouge pas. Tac. J'avais plein de trucs. J'ai plein de trucs à vous montrer. J'ai Sigil aussi, le map pack de comment il s'appelle? De Romero, que j'aurais bien voulu vous montrer et tout. Oh là là. Bref. 1 1 1
run through the jungle. La vieille, la reprise midi, franchement, de Run Through the Jungle de Creedence, ça tue ça. J'ai juste baissé un petit peu le son parce que je crois qu'il gueule, il gueule vraiment vraiment le jeu. Hop, new mission. On va commencer directement en machine gunner et base camp. C'est quoi base camp? Fais voir. I'm a fortunate son. Espèce de sale riche, casse-toi tout de suite. Oh, merci, merci Sangui. Joyeux Noël des Dom Tom. Eh ben, joyeux Noël à toi. Nuka dansé, Nuka donné les cadeaux. Nuka donné. Comment on dit Nuka donné Thibaut pour alléger qu'un moins. Aucune idée. Attends, les chansons sont quand même très très fortes. Voilà, on va se calmer. Donc là, on est au camp de base. Tout le monde est déjà en train de tirer dans tous les sens. C'est plus ou moins déjà les USA. Attends, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi je me tire avec mon truc? Voilà. Oh le bordel! Attends, c'est le camp de base ça? Oh la vache! Attends, c'est chaud de ouf! C'est chaud de ouf! Donc voilà, donc Viet Doom, donc c'est un portage complet. Il a fait tous les assets, etc. Vous voyez que c'est super rough à beaucoup d'endroits. Avec la skybox qui merde là. Et en gros voilà, il a rajouté pas mal d'éléments de gameplay. Tu peux bander tes blessures. Là par exemple, en gros je crois que ce... Voilà c'est ça. J'ai un bipied. Là par exemple j'ai un bipied, je peux pas bouger quand je tire. Et il faut que je sois contre une surface. Mais j'ai un putain de bipied. Voilà, et donc il est en train de bosser dessus en ce moment. En ce moment même. Et tiens regarde la K47, il est pas beau la K47. Semi-auto, full auto. Ah oui. Voilà. Eh, c'est pas mal ou pas, franchement? Avec la soundtrack qui va avec et tout, j'ai un petit 911 en plus. Qui fait pas beaucoup de bruit. Attends. Est-ce qu'il y a des sons, c'est n'importe quoi là? Voilà. Ah, c'est un peu mieux. Même les sons, ils sont vénères. Gang 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 gang. Comprends pas. Bourrinez-le. Gang gang gang. Rien compris. Oh putain, ils ont des RPG. RPG! Fuck you! Oh goddamn motherfucker! C'est un... Bah non, c'est un américain ça! Oh, oh. Oh fuck! Oh fuck! Oh oh! Bande! Non, c'est une grenade ça! Bande! Oh, oh. Ah. J'ai pas bandé assez vite. Je suis désolé, je suis lent à bander, hein, mais ça ira mieux après. Il paraît que ça arrive à tout le monde. Hein. Mais attends, est-ce que j'ai augmenté le volume du menu là? Je suis complètement con en fait. Ok. C'est un remake de Rising Storm 2. Bah ouais, en vrai, ouais. Attends, fais voir. Je vais vous montrer d'autres missions quand même. Regarde, on va commencer avec... D'ailleurs, parce que je viens de voir Flamethrower, voilà. Est-ce que vous saviez qu'à la place de Doom, ce soir, j'aurais dû vous faire du Hatred? Hatred, le jeu de massacre, là. J'ai téléchargé plein de mods pour Hatred, dont un mode 3ème personne et un mode en FPS. Ce qui rend le jeu complètement éclaté, c'est un truc de fou. Et j'ai téléchargé des mods qui changent les personnages et qui changent les couleurs, et on aurait pu littéralement jouer Adolf Hitler avec un lance-flamme dans un commissariat. Et du coup, je suis assez content de pas l'avoir fait, je vous admets. Shodan à Quang Tri, tiens, c'est parti, Fortunate Son. Fais voir. Oh, je peux monter là? Non! Oh le truc de ouf! Je vois que dalle, mais c'est super! Attends. Oh, c'est génial! C'est ici Quang Tri? Quang Tri, c'est pas le méchant dans Bloodsport? Est-ce que je vais prendre les UL? Oh, c'est trop mignon, regarde! Oh! Wow! Oh la vache! Oh la vache! Oh putain! Oh putain! Je l'ai fait. Sors. C'est la merde. Sors, Mike. Non. Comment sort? Putain. C'est la merde. Attends, c'est la merde. Faut que je sorte là. Attends. Normal, tranquille. À l'aise. Sors. Mais si, je peux sortir de cette direction. Allez. C'est bon. Oh la vache. Et du coup, le lance-flamme, qu'est-ce qu'il donne, le lance-flamme? Fais voir. Oh, j'ai mon couteau commando. J'ai des grenades. J'ai mes... Non. Ah, je peux pas lancer d'airstrike maintenant, mais je peux, si j'ai envie.
Oh, il est sympa en plus le. Il est sympa comme tout. Oh là 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 là. Oh putain, c'est pas au point. C'est pas au point sa mission là, mais je comprends le principe. Oh la vache. Ah oui, mais attends, parce que ça c'est la version alpha, normalement ça c'est des baraquements. Et je crois qu'il y a un truc qui a pété en fait dans le. Comment dans le loading du quelque chose. Ça se trouve, j'ai mal installé un truc. Mais dans le jeu, il a rajouté la possibilité de détruire des bâtiments et de les cramer. Donc en fait, il va y avoir des villages plus loin. Je pense qu'on peut pas tout de suite y aller maintenant. Mais il va y avoir des putains de villages où tu pourras cramer des cases, éclater avec des grenades des maisons et des trucs comme ça. Ouais, bisous tout le monde à tous ceux qui vont dormir, manger ou que sais-je. Est-ce que c'est... Mais attends, je suis en Doom, là. Mais je suis... Mais attends, il y a des démons vietnamiens. Attends, il y a des démons vietnamiens. Qu'est-ce qui se passe? Mec, il y a des démons vietnamiens. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ngang, ngang, ngang. Mec, je me fais attaquer par des... Mais c'est chaud, non? Attends. Attends, j'ai un RPD, là, fais voir. Je vais prendre le shotgun, du coup, ou pas? Bah ouais. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Gang gang gang. Je comprends pas, hein. Et donc, je sais pas si vous voyez, mais il y a aussi un sprint. Mais non, ça, c'est des vrais vietnamiens, c'est pas des démons, ça. Et mec... mec, c'est un truc de malade. Il fait de la fusion de genre. Il fait mi-doom, mi-doom. Ah. Plus de munitions. Ah là, c'est compliqué. Fais voir une dernière mission. Là, il est 54, je veux pas tarder à couper. File-moi anti-tank et on va faire contact lost. I'm a new guy. Ça, c'est comme ça qu'il parle dans The Irishman. Hey, you the new guy, hein? Oh putain, j'ai un grisgueule. Pas de munitions, putain. Putain, il me laisse tout seul, mais mec, c'est la merde. Attends, anti-tank. Ah! Et mec, c'est complètement vénère par contre. Le truc, c'est que c'est vraiment pas censé être. Ouh, la grenade! C'est vraiment pas censé jouer comme Doom en fait, surtout, c'est surtout ça le problème. Mais je pense qu'il tient un truc avec son mode là et ça peut être vraiment sympa. Fais voir ça là. Fais voir le sniper. Dans ta gueule, ah bah il est de ouf. Oh nice. Mais comment il a fait marcher ça sur cet engine, putain, ça me dépasse. Plus les gens, je serai de retour pour le film de soir si tout va bien, ça marche. Bon réveillon, bonne bouffe. Et joyeux Noël. D'accord. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Run through the jungle. Eh putain, faut que je recharge. Vous pouvez me filer au moins des flingues qui sont déjà chargées et... Au. Non, mais ça marche super bien en plus. C'est super marrant comme truc. Bon, par contre, ils ont tendance un petit peu à me coller les mecs. Mais ça au pire, c'est pas grave. Tiens, une grenade, pour être sûr. Pourquoi il y a des mecs qui flottent? Il est immortel en plus. J'ai l'impression que les mecs qui flottent, ils remplacent des assets qui n'existent pas en fait. Donc Je bleed. Alors j'ai l'impression que ce qu'il veut aussi avec le jeu, c'est vraiment que tu galères à voir les ennemis, un truc comme ça, tu vois. Et je dis pas ça parce que c'est mon cas, hein. Mais parce que il veut vraiment qu'on joue ça de façon simulation, tu vois. Et j'avoue que j'ai pas du tout, mais alors du tout l'habitude de jouer à Doom comme ça. Donc ça me choque un petit peu là. Eh, ils m'ont encore filé un flingue vide. Eh mec, c'est pas possible. Tu vois, lui, il veut qu'on reste derrière, il veut qu'on pique de temps en temps, qu'on envoie des airstrikes, etc. Mais c'est sympa, alors, regarde, t'es dans la boue, du coup t'es ralenti. Normalement, il y a des effets dans la boue, mais apparemment ça marche pas très très bien. C'est pas grave, je leur montrerai une autre fois de toute façon. En vrai, je trouve ça super intéressant. Et bref, je pense que je vais juste quitter là-dessus le temps de faire une outro et d'aller avec les copains pour partir sur Generation Zero. Ça va me prendre quelques minutes. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout de suite. YouTube, à tout de suite, pareil. Partez pas. Le stream continue sur Generation Zero. Et voilà. Allez, à tout de suite, les gars.